pour la première fois dans la peau des coachs, mes enfants. Pas les mêmes moyens. Vous allez, ils vont se mettre de dos, donc, comme on l'a vu. Il y a des candidats. Alors, si ça vous plaît, vous pouvez vous retourner. Mm-hmm. Si ça vous plaît pas, vous restez dos à eux ou vous les giflez. Et ça va chier. Oh. Ça, c'est la version Enora. Non, non, vraiment. Donc, comme dans The Voice, ils vont chanter pour vous, vraiment. Ils vont vont y mettre tout leur cœur, les garçons. Voilà. Et ça fonctionne. À partir du moment où vous appuyez, vous vous tournez vous-même, ça se tourne. Oui, c'est ça. C'est merveilleux. Alors, le premier candidat. Ah, bah, c'est. On m'a mis Jean-Michel. Moi, je pensais que c'était Isabelle. C'est moi, hein. Mais non. Alors. Le premier candidat, on va voir qui c'est. Ça, les boules se mélangent. Non, qu'est-ce que je raconte? Les boules se mélangent. Allez, on y va. Le premier qui chante, c'est parti. Vas-y. Il faut que tu te mettes là. Je crois qu'il y a un petit problème. Voilà. Vas-y. C'est une personne âgée, il a du mal. Allez, vas-y, Jean-Mi. Débarquez-moi. Cœur au bout des doigts, j'ai viré de bord. Je suis donné la foi qui brise le sort. Je vous emmène au-delà de ce mur entre vous et moi. Débarquez-moi, on va se toucher du bois en rythmant l'effort. Au coup d'un coup des congas vers l'île présent et se sentir pour une fois. Bravo. Merci beaucoup. Bon, je t'ai choisi dans mon équipe. Il y a au moins une personne qui s'est retournée sur toi et le public en pouvait plus. Hein, en même temps, qu'est-ce que vous en avez pensé? La sensibilité, c'était. Beaucoup de sensibilité. un univers incroyable. Vous avez senti tout l'amour. En même temps, pour un coach, il y a du boulot pour le coup. Ah, bah là, oui, il y a vraiment du boulot, ça c'est clair. Allez, deuxième candidat, c'est parti. Est-ce qu'ils vont se retourner ou pas, les frérots de la Vega? C'est parti. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ouais. Alors, bienvenue dans mon équipe. Une analyse musicale. Pourquoi se retourner sur cet artiste? Donc, je vous présente Isabelle Morini-Bosse. J'ai adoré cette fraîcheur. Le mot fraîcheur, c'est vraiment le mot juste. C'est vraiment le mot exactement. Non, mais vraiment, cette version, Isa. Mais alors, est-ce que tu peux nous la faire a cappella? Je crois que la musique était trop forte. Parce qu'on n'a pas entendu. Vas-y, ouais. Finalement, on n'a pas bien entendu le grain de ta voix, ma chérie. Oui. Ça revient. Prends ton temps, on a toute la nuit. Hein. 1, 2, 3. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ah, voilà, bravo, Isa. C'est une version. C'est une version plus gourmande. Plus câline, je trouve. Exactement. Allez, un autre candidat. Dans The Voice spécial Frérot de la Vega. Et je peux vous dire que là, c'est une candidate, messieurs. C'est tout ce que je peux vous dire. Et vous allez voir que la vie est pleine de surprises. C'est vraiment, c'est un cadeau qu'on vous fait dans Touche pas à mon poste. Moi, je veux mourir sur scène. Je veux mourir sur scène, le cœur ouvert, tout en couleur, mourir sans la moindre peine, au dernier rendez-vous. Oui, je veux mourir sur scène, en chantant jusqu'au bout. Je vous présente Dali Douche, la sœur de Dalida cachée. Ah, ma couille. Que vous pouvez retrouver chez Michou. Chez Michou, tous les dimanches midi, à moitié nu, ou dans des bois, quel qu'il soit. C'était une belle performance. J'ai tout donné. Oui, on a évidemment un dernier candidat. Putain. Un membre de l'équipe à part entière. Il vient spécialement pour vous, les frérots de la Vega. Et ce n'est pas... Oh, la vache. C'est parti. Mon kiki. Ouais. Amazing girl.
got saved. So like me, I was blind and now I see. Saison 2 de The